Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de t'avoir parmi nous à l'instant After Church, instant témoignage de guérison. Ici à Gloire de Dieu International, par le canal de la chaîne de télévision du Bon Chrétien, Jésus-Christ chez vous, Gloire de Dieu TV. Et comment est-ce qu'on t'appelle? Je m'appelle Karine Rass. Pardon? Je m'appelle Karine Rass. Oh, toute joyeuse et toute souriante. Vraiment, on comprend que l'Éternel a fait des merveilles dans ta vie. Comment est-ce que tu as fait pour arriver ici? Comment est-ce que tu as connu Gloire de Dieu International? J'ai passé par Frère Rodrigue. Ah, Frère Rodrigue. Par un don, par un évangéliste de cette commission. Et tu peux te rappeler ce qui t'a amené ici? Pardon? Beaucoup de problèmes. Ah, vraiment, et tu ne te sentais pas vraiment bien. Et, mais maintenant, à présent, tu te sens épargné, soulagé. Donc, tu n'es pas au courant que tu faisais des crises, des trans atroces. Tu n'es pas au courant de cela. Ah, tu ne peux que voir sur les vidéos. Parce qu'il faut qu'on te rappelle, Karine, tu es venue ici vraiment dans un état critique. Tu faisais des trans atroces. Quand je veux te toucher, tu vas te mettre à l'île. Tu m'éclates ta mort. C'est une autre fois qui va te mettre à l'île. Tu t'envoies le feu de l'esprit. Tu t'envoies le feu. Tu vas mourir au nom de Dieu. Non, c'est le feu. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Le camp chèvre. Tu vas se faire chèvre. Non, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Là où tu veux toucher, là, tu vas mourir. Tu penses que tu m'as touché. Je déclare ta mort. Je déclare ta mort. Tu ne peux rien. Et vraiment, c'est pas la grâce du Seigneur, le Dieu de l'apôtre Pierre Patrice Caché, qu'aujourd'hui, à peine, il faut dire que tu n'as même pas fait un mois. Et aujourd'hui, tu peux dire Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu peux dire ça? Dis-le alors. Jésus-Christ est Seigneur. Fais-la venir. Laissez-la. Oh, laissez-la. Non, laissez-la. Oh, tu veux quoi? Oh, tu veux lutter? Laissez-la. Laisse-la. Dis au peuple de Dieu qui te regarde que tu es content de célébrer le Seigneur Jésus. Je suis contente de célébrer le Seigneur Jésus. Alors, je vais te raconter encore, Karine. Tu es venue ici, tu étais dans des crises de trans, et tu n'étais vraiment pas facile à gérer. Tu manifestais la force et on savait que tu étais possédé par un esprit qui prenait contrôle de ta vie. Mais par la grâce de cette commission, par la grâce qui est sur le serviteur de Dieu, l'apôtre Pierre Patrice Caché, aujourd'hui, tu es libre et très soulagé. Et est-ce que tu as un message que tu peux adresser à tous ceux-là qui nous suivent sur Gloire de Dieu TV? Des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur, qui est le même hier aujourd'hui, comme la Bible dit. Est-ce que tu peux leur dire quelque chose? Je veux juste leur dire d'abandonner les marabouts pour suivre Jésus. Waouh! D'abandonner les marabouts, car ce sont les escrocs, car Jésus-Christ est le seul sauveur. Il guérit sans remède, sans médicaments, sans écorce. C'est le quoi les parfums? Si je prie, tu utilises la force, ça fait la porte.
Attends. Ouvre cette fois. C'est comme ça, là, les parfums. Tu sais, ce sont des choses que tu dis de cette femme, t'en penses. Hein? Maman. Tu ne connais pas. J'ai peur de quelque chose que je dis toujours. Priez pour cet enfant. Elle guérit. Oui, c'est bien. Est-ce qu'après ça, elle sera dans les bonnes mains des gens, la mère? Hein? Des bons gens qui vont continuer à venir à l'église sans l'amener dans les trucs. Parce que, vous savez, je suis toujours en train de me mettre. Les objets démoniaques, Seigneur, dit objet de protection qui ouvre les portes à l'ennemi, n'ont plus pouvoir au nom de Jésus. Les chaînes, tout ça. Même si elle a dans son sac, les chapelets. Elle, la fille, au nom de Jésus, commence à venir. Tous les jours, je prophétise la paix et j'annonce que c'est la fin. Ça va déjà. Je prophétise sur vous, messieurs fermés et messieurs ouverts. Ça va déjà, ça va déjà, ça va déjà. Amen, gloire à Jésus. Et ceux de ta famille, les membres de ta famille, ceux-là qui ne croient pas encore, qu'est-ce que tu comptes les faire? Qu'est-ce que tu comptes faire pour montrer vraiment, pour démontrer que tu as bénéficié de la grâce de Dieu de l'apôtre Pierre Patrice Caché? Quand je veux rentrer, je veux les exhorter à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. À rester ferme, parce qu'on voit que tu as une Bible, à rester focalisé sur les enseignements de la parole de Dieu. Principalement ce qui te prodigue, ce qui édicte le serviteur, l'oracle de Dieu, l'apôtre Pierre Patrice Caché. Sois béni, shalom. Bon, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, je m'appelle Mathieu Christelle. Bon, on vous a vu venir au ministère international de la gloire de Dieu dans un état vraiment lamentable. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est vraiment passé? Moi, je ne me rappelle pas trop, mais je sais que je n'étais pas en bonne santé quand je suis venue ici. Ah, ok. Et nous avons vu l'homme de Dieu prier pour vous et déclarer sur vous des paroles prophétiques. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé, comment vous vous sentez maintenant? Moi, je me sens très bien. Bon, et maintenant, comment est-ce que vous avez fait pour connaître le ministère international de la gloire de Dieu? On a connu ce ministère par une sœur en Christ et de la gloire de Dieu qui est à Yaoundé. Ah, ok. J'ai ressenti la puissance de Dieu. And suddenly you heard a list of them. Mon vrai nom, c'est Pierre Patrice Caché. Saint-Denis de Vivant. Saint-Denis de Vivant. Esprit du Seigneur.
un très fort support. Le Spirit of God is a mighty man. Tu n'auras plus jamais. Et maintenant, quel est le message que vous pouvez dire à ceux ayant déjà fouillé partout, cherchant la solution, mais qui n'ont rien trouvé jusqu'à présent? Quel est le conseil que vous pouvez leur dire? Je peux dire que gloire de Dieu, c'est un Dieu de la solution, c'est un Dieu de la liberté, que tous ceux qui me regardent peuvent venir et ils recevront aussi la santé, la guérison et tout. Ici, c'est un lieu de la guérison, c'est un lieu de la solution. Gloire à Jésus. Bon, nous vous remercions pour ce temps que vous nous avez accordé. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Merci.